Oh, j'ai pas enlevé mon chewing-gum. Bon, faut pas que je mâche. Attends, je fais une dernière bulle. Bref. Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, encore une. Je me rends compte, encore une fois, ça fait 3 mois d'affilée en plus, il me semble. Qu'il y aura 2 vidéos par semaine. C'est dingue. Va falloir que je me calme. C'est pas possible. Parce que l'air de rien, ça fait beaucoup de boulot. Pour moi comme pour toi. Que toi tu dois visionner toutes les vidéos. Ça va, j'ai pas trop les chevilles qui enflent. Non, ça m'étonnerait que tu regardes toutes les vidéos, tu dois les sélectionner. J'espère quand même, parce que si tu dois te coltiner toutes mes vidéos, c'est chiant quoi. Surtout que c'est pas les petites vidéos que je fais à chaque fois. Bah ça demande beaucoup de boulot, hein, parce que déjà faut tourner la vidéo, après faut faire le montage vidéo, après il faut faire ci, faut faire ça. C'est super long les vidéos à faire. C'est dingue. Et quand tu vois que t'as très peu de retours, et bah c'est... Ça a du mal à passer, quoi. Mais je m'en fous, moi j'aime bien faire des vidéos. Alors même si j'ai pas beaucoup de retours, et bah c'est pas grave, je continuerai quand même. Voilà. Mais ouais, il va falloir que je me calme, que je ralentisse quand même. Parce que 2 vidéos par semaine, ça fait beaucoup. Hein. Le mois de décembre, on va ralentir. Bah là, le mois de novembre, c'est... Il y aura 2 vidéos par semaine, j'ai pas de choix, c'est déjà programmé. C'est comme ça. Voilà. Bon, du coup, ce que je voulais dire, mais bah aujourd'hui, je vais te montrer des créations en résine. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus du coup. Je t'avais montré mes créations en polymère. Et bah cette fois-ci, ça sera des créations en résine. Ça tient dans un tout petit sac. C'est ça qui est génial. Il y a une quinzaine de bijoux qui tiennent dans un petit sac. C'est génial la résine, puisque ça prend pas de place. Ça, c'est super. En plus, c'est léger. Bref, voilà. Alors j'ai commencé des tutos avec le partenariat Panda Haul, mais je te montrerai pas ça dans cette vidéo là parce qu'il faut que tu aies la surprise, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc du coup tous ces petits bijoux que je vais te présenter là, ils seront déjà disponibles sur ma boutique. Et ça c'est cool. Alors si tu n'as pas vu mon autre vidéo où je te présente mes créations, j'avais parlé d'une collaboration. Donc si jamais tu veux collaborer avec moi sur Instagram, et bah je te conseille de venir me contacter en message privé pour qu'on parle de tout ça. En privé, parce que ça sera plus simple et comme ça ça gardera la surprise pour les autres personnes. Voilà, donc si tu veux collaborer avec moi sur des créations qu'on pourra partager sur Instagram, eh bien viens me voir en privé. Voilà, et j'arrête de parler et je te montre tout de suite les créations que j'ai réalisées octobre et novembre. Ouais, fin octobre et début novembre. Donc ben, voilà. Sur les créations en résine, donc c'est parti. Faut profiter, il y a un petit rayon de soleil, ça va faire du bien ça. Donc on va commencer tout de suite avec les petites boucles d'oreilles en résine. Donc la première paire de boucles d'oreilles, ce sont des petites perles avec des feuilles d'argent. Pour la deuxième paire, c'est dans le même style, sauf que c'est avec des feuilles d'opale. C'est dommage, à la caméra, on voit pas trop les côtés iridescents, mais bon. Une troisième petite paire de boucles d'oreilles dans le même style, avec des perles, mais cette fois-ci dépareillées, donc dans des tons noirs et dorés. Ensuite, une petite paire de boucles d'oreilles, ailes de papillon, tout en rouge. Et elles sont très très grandes, elles sont vachement imposantes celles-ci. Avec tout plein de petites paillettes.
Et la dernière paire de boucles d'oreilles, c'est également des ailes de papillon en deux parties. Elles sont avec des estampes papillon. Ailes de papillon, amovibles. C'est la seule paire que j'avais comme ça. Et il faudrait que j'en retrouve d'ailleurs parce que j'en ai pas d'autres. Ce sont vraiment des modèles uniques. Bon, comme la plupart des bijoux, mais ceux-là, c'est sûr et certain que je pourrais pas les refaire parce que j'en ai pas d'autres. On enchaîne avec les petits bracelets, toujours avec une petite perle en résine, donc celui-ci il est dans les tons bleus, sur une chaîne bille. Et toujours dans le même style, il y en a un tout en doré, avec de la feuille d'or. Et terminer avec les colliers. Donc le premier collier, c'est une perle, une bille bicolore avec un mélange de bleu et de blanc. Chiki! Quel vilain celui-là! Ensuite, le bijou suivant, il est dans les mêmes tons de couleur, avec une perle et un diamant. Ensuite, le petit bijou suivant, c'est un petit cabochon dans les tons noirs et dorés. Mais Tiki, alors mon bébé, qu'est-ce que tu fais là? Il tire en plus, hein. Au secours! C'est pas pour Tiki. Non, Loulou, arrête tes bêtises. Tiki, ça suffit. Il va m'en piquer un autre.
Ça suffit, loulou. Le voleur. Le bijou suivant, il est tout en rouge et bronze. Tout simplement. Le bijou suivant, c'est un bijou en dentelle. On enchaîne avec un collier sur mer nature, avec des couleurs un peu automnales. Dans le même style, il y en a un en forme de goutte, avec des couleurs un peu plus fraîches. On passe à l'avant-dernier, que j'ai appelé tout simplement Bubble. C'est plein comme des pleins de petites bulles de différentes couleurs. Et souvent pour ce genre de collier là, j'aime bien mettre le fermoir sur le côté parce que c'est plus pratique à mettre. Enfin moi je trouve personnellement. Et on termine avec le petit dernier. J'étais obligée d'en faire un parce que sinon ça n'aurait pas été normal. Et bien j'ai réalisé un petit papillon en résine, bah oui bien sûr, sur une petite estampe argentée. Là c'est un papillon multicolore, un peu comme façon licorne. Je vais relancer le même speech que d'habitude. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu, t'aura donné des idées, intéressé, plu. Enfin bref, dis-moi tout ce qui passe par la tête en commentaire, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Si jamais tu veux des tutos en résine, n'hésite pas à me faire savoir, parce que bah, comme d'habitude, hein, si je peux le faire, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Y a pas de problème. Faut juste être un peu patient avec moi, c'est tout. Mais j'ai qu'une parole et je vais jusqu'au bout de ce que je dis. Donc si tu veux des tutos, y a aucun problème, je le ferai. Voilà, je crois que ça y est, j'ai fait tout le tour, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il me semble, hein, j'ai fait le mot, ça y est. C'est bon, j'ai fait tout le tour, j'ai tout dit. Voilà.
Bon, c'est l'heure de se quitter. Alors, je te fais tout plein de gros boutons, on va faire très vite. Et puis, je te retrouve dans. Bah, très vite, hein. Bah oui, vendredi. Ouais, la vidéo là sera lundi, donc vendredi, il y aura déjà un autre tuto. Enfin, une autre vidéo. Je sais plus si c'est un tuto. Enfin, bref, tu verras bien, c'est la surprise. Mais dans tous les cas, il y a des vidéos tous les lundis et tous les vendredis durant le mois de novembre. C'est dingue, hein. Alors, du coup, bah, à vendredi, hein. Ou pas, ça dépend si tu vas la regarder ou pas cette vidéo. Enfin, bref, allez. J'ai rien de parler, laisse tomber, je fais n'importe quoi. Tout plein de gros bouts de. Et à très vite. Bye. Tu veux faire un câlin? Oui. Oh, tu fais des câlins? Oh, mon petit chat, mais oui. Oh, les bons chats. Tu fais des câlins un peu bizarres quand même. Là, t'es bien là. Mon petit chat. Doucement, doucement, doucement. Ah, les griffes. Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Ça va? Viens. Mais arrête avec tes fesses. Où ça? J'ai l'air maligne. On reste comme ça. Si tu le fais. Bien sûr, tu vas tomber. Mais tu vas tomber là. Tes griffes, ça fait mal. Ça fait mal les griffes. Ça fait mal les petits chats. Bon, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Oh, qu'est-ce qui t'arrive, mon chat? Ah, tu descends. Ah, tu as fait mal avec tes griffes. Tes chiens, tu vas encore être griffé partout, là. Les autres font la sieste, donc les chats font la fouille, font la fête. Alors moi, c'est l'inverse, quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Hein, quand les oiseaux font la sieste, les chats dansent. Moi, ça n'arrive pas aussi, c'est mieux. Avec le coup, ça n'arrive pas. On voit, laisse tomber.